Paris, lui, au contraire, s'arrache à ses 4 années de captivité. Libération ! Le général de Gaulle, qui fut le premier à vouloir cette libération, est entré à son tour dans la ville libre. Pour la première fois depuis 4 ans, un micro français parle français. Hommes et femmes qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains, non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.